Je ténor de ce côté, et alors deuxième lune là. Là, le croissant est plus visible qu'hier. À côté, il y a une petite étoile. Alors, on laisse faire tout ça. Voilà, je la place bien au milieu de l'image. Sur l'horizon, il y a deux bateaux. Voilà, elle est là, la lune. Alors, notre jeu ténor ici. On s'arrête de nouveau vers la lune. Alors, par rapport à la SRPP qui se trouve là, je suis l'horizon sur la droite. Voilà, je mets en premier plan, bon, peut-être les tétrapodes, on les voit peut-être. Là, je remonte un peu. Un autre croissant de lune, de nouveau. Alors là, il est beaucoup plus évident qu'hier. En plus, c'est peut-être un peu plus tard, hein, je ne sais pas. Je vais regarder l'heure. Complètement faux, je pensais qu'il était... c'est le même heure qu'hier, elle est sortie à 19h05 hier, et là il est 19h01. Donc en fait, même horaire. Là je fais un petit mouvement tournant, malgré qu'il y a quelques périodes noires comme ici, sombres en tout cas. Alors je débarque ici, et là, profitant de l'ouverture entre les nuages, je récupère ma petite lune. Et j'en profite. Alors là, sur l'horizon, les deux bateaux, puis il y a un avion dans le ciel, je ne sais pas si on le voit. Voilà, et voilà, il clignote là. Bon, bref, pas important. Par contre, ce qui est important, plus ou moins, voilà, il y a la lune et un peu en haut à droite, il y a une étoile. Bon, je quitte tout ça quand même. Je me rapproche de la jetée nord. Et j'ai dégagé la jetée sud ici. Par contre, toujours pareil, lumière. Je regarde du côté de ma fat et j'aimerais bien saisir des éclairs. Alors tout ce qui est lumière, c'est important pour moi. Donc les éclairs, ça va de soi, c'est important pour moi. Là où il y en a le plus, c'est en fait derrière la farge là. Je crois que peut-être on va finir par en voir. C'est assez régulier. Bon, je ne sais pas si on les a vus. Je reviens, malgré tout, sur mon bassin du port ouest. Je suis en bordure, côté sud. Alors, pendant que je peux encore, je reviens sur ma lune. Elle est un peu vaporeuse. Elle est là. C'est marrant, l'horizon dirait qu'il s'est éclairci. Je rêve, je ne sais. On dirait qu'il s'est éclairci. En tout cas, notre lune, qui n'en a peut-être plus pour très longtemps à être... C'est un nuage en lisière, là. Voilà notre lune. Hop, des éclairs par derrière. Les bateaux sur l'horizon. Là, ma jetée nord. Allez, elle va pas tarder, disons-nous, à disparaître dans un nuage qui est par le bas. Alors on la prend avec sa petite étoile à côté. C'est vraiment côté de l'islam, là, le drapeau islamique. Ils aiment bien mettre une petite étoile accrochée à côté de la lune, en croissant. Voici. Là, je prends du côté des quais céréaliers, l'arrière des barges. Et en fait, il y a quelques beaux éclairs qui se font de plus en plus forts par là derrière. Je vais essayer d'en choper un quand même. Je vais jusqu'à la farge, le haut de la lumière en haut là. Bon, pour l'instant rien. On revient. Ça va bien nous faire un petit éclair, un bel éclair. En attendant, voilà le bassin. Allez. La sortie du port avec voilà, et là au-dessus de nouveau la lune, et là il y a des bateaux sur l'horizon.
Je suis juste devant les caisses cimentières et en haut, là-bas, la lumière de Lafarge s'allume. Je suis au pied du bâtiment Lafarge, en fait. Alors là, j'ai vu que de ce côté-là, quand même, les lumières sont sous un angle différent dans le bassin. Alors là, juste, voilà, le quai cimentier. Par là-bas, la darse de Grande Plaisance. Ici, c'est le quai céréalier, l'ex. Et là, voilà, c'est ces lumières qui sont rejointes un peu, plus tenues. Elles ne sont pas séparées en trois. Voilà, c'est l'angle qui change. Et là, on a voilà, les balises et la jetée sud et ici, la jetée nord. Alors là, en fait, la lune s'est cachée. Voilà, on voit plus l'étoile que la lune parce qu'elle est dans les nuages. Toujours en cherchant ce qui est illuminé la nuit. Là, c'est un arbre du voyageur, juste devant le bureau Lafarge. Là. Alors voilà, on ne le voit pas trop, il est illuminé quand même par des lumières. Et en haut, c'est marqué Lafarge, je ne sais même pas si on le verra. En fait, c'est par là-haut, Lafarge. Bon, je redescends quand même sur mon Ravenal, ça s'appelle Ravenal. Voilà, arbre du voyageur et sa racine. Toujours en cherchant la lumière dans cette nuit. Là, je suis devant les entrepôts de la Sapmer. Alors, j'ai changé de place. Là, nous avons devant nous une lumière d'une Vespa qui arrive et c'est le haut de la Farge là-bas. Donc, j'ai changé d'endroit. Ici, le bassin. Alors là-bas, c'est vers la darse de Grande Plaisance. Alors ici, nous avons les silos à sucre, le quai sucrier. Et devant nous, là, voilà, c'est le quai militaire. Et au milieu de l'image, le Malin, normalement. Alors les reflets. Les reflets. Et à l'arrière, normalement, doit venir des éclairs de lumière. Voilà, c'est arrivé.